Hello tout le monde, c'est Auron, comment allez-vous? Moi je vais bien, on se retrouve aujourd'hui sur Assassin's Creed Libération HD. C'est la démo disponible sur le Xbox Live. Donc c'est un jeu édité par Ubisoft, développé par Ubisoft, qui est les mêmes développeurs d'Assassin's Creed tout court, enfin toute la série Assassin's Creed. Le jeu est sorti le 15 janvier 2014 et donc disponible actuellement en démo sur le Xbox Live. C'est une suite directe, il me semble, d'Assassin's Creed 3, si je dis pas de conneries. Enfin, si je me trompe, rectifiez-moi. Donc, sans plus attendre, on va commencer la mission du scénario. Là, ici, on incarne, il me semble, une assassine. Je sais pas si ça se dit. Mais bon, au moins, vous savez. Connectez-vous au passé. D'accord. Revivez l'histoire. Grâce aux incroyables découvertes d'Abstergo sur la mémoire génétique, l'Animus vous permet de jouer au cœur de l'histoire. Le produit que vous venez d'acheter vous permet d'accéder aux mémoires d'Aveline de Grandpré, une assassin du 18e siècle, prise entre deux mondes, qui va se battre pour découvrir sa raison d'être. Appropriez-vous l'histoire. L'histoire est notre terrain de jeu. Animus. Ça fait très présentation de trône, ça me fait rigoler. Donc, une assassine, ça se dit pas, c'est une assassin, apparemment. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est le chargement? Ouh. Désolé, c'était mon portable. Ah, ok, d'accord, on commence direct avec elle. Bon, je pense que les touches, ouais, c'est les mêmes. Donc, à savoir que... on va dire que cet épisode d'Assassin's Creed n'était disponible que sur PS Vita, si je dis pas de bêtises, et donc seulement disponible pour les touches tactiles, et ils ont fait une refonte du jeu pour le rendre disponible sur les consoles. Alors, la caserne en ruine, mettez fin aux agissements malhonnêtes du recruteur. Ok, on va commencer la mémoire. Le casier regardeur ça va vous faire repérer. Alors on va essayer de faire ça dans la discrétion, chose que je ne maîtrise pas complètement. Oh, j'ai cru entendre un chien. Alors on va éviter de se faire capter parce que généralement il y a des gens qui campe sur les toits comme en face. Alors, j'ai que des points. Ouais, d'accord, ouais, je vais pas aller loin, moi. Tiens, salut, toi. Je t'avais pas vu. Bon, tu bouges pas. Je crois qu'il y a un problème de son dans le jeu. Merde, je crois qu'on va capter. Que s'est-il passé? Hop. Ok, il est là. Les mini-recodeurs sont vous faire repérer. Wouhou! Je crois que je me suis fait repérer. Il est lui. Il y a un mec sur le toit en face là. Bon, sinon, en parlant du jeu Libération HD, à mon avis, ça a été. Il y a une refonte HD qui a été refaite par rapport à la PS Vita. Bon, après, ça se comprend un peu, hein, passer de la PS Vita à une console de salon. Je pense qu'il y a une refonte. Waouh, c'est qui est en train de se barrer ou quoi lui? Ok, on va aller voir là-bas. Il y a un mec qui s'accroupit contre le balcon. Du coup, ce qui fait que je serais peut-être bloqué. Ha,
Non, lâche. Yo. Bon, de toute façon, là, je pense que j'avais un peu fait bugger le perso, du coup, il était prêt à attaquer. C'est pas grave. Au moins, on aura un peu plus de gameplay. C'est dommage, j'étais bien parti. Bon, moi, je sais où est-ce qu'il se trouve, je vais pas me casser la tête. Hop, bon, sinon, en parlant un peu du jeu... donc je crois que... Enfin, on incarne tout simplement un autre personnage. Oh, oh, non. Putain, sérieux. Reste où tu es. Je vais me faire repérer. Shit. Lol. Ok, wow. Sérieux. Alors là, je me suis pas fait capter, sérieux. En tout cas, niveau mouvement, il y a beaucoup plus de mouvement que... Wow, ça s'attaque de tous les côtés, moi. Il y a beaucoup plus de mouvement déjà que dans le dernier Assassin's Creed, le Assassin's Creed 4. On peut voir, là, il vient esquiver. J'ai vidé tout le camp, moi. Je vais me faire tout le camp, je m'en fous. Faut pas me faire chier. Il est où le recruteur? Il est là. Hop. La zone, on se casse. Par où je peux me casser là par contre? Ça c'est des comiques. Vous savez quoi, je vais faire ça. Hop. Bon, en tout cas, les touches du gameplay ne changent pas du tout par rapport, tout au moins, au dernier Assassin's Creed. Non, je me casse. C'est totalement les mêmes touches. Bon, graphiquement, on va dire que ça arrive pas à... Peut-être sous-estimez-vous l'immensité et les pièges du bayou. Ça arrive pas à la cheville de Assassin's Creed 4, c'est sûr. Même s'il reste très beau, hein, je dirais plutôt qu'il touche le Assassin's Creed 3 plutôt au niveau graphique. Vasquez. Vasquez, Deferrer a parlé lui à Chichen Itza. Elle parle tout seule ou elle lit le truc là? Je dois avertir Agathe et les contrebandiers. 33% de synchro. Bon, en même temps, vu comment je me suis jeté sur le recruteur et comment je les ai tous pétés, bon bah... C'est un peu dommage que le démo se termine rapidement, c'est un peu comme Halo Spartan Not Soul que je vous ai aussi proposé. Très récemment, donc là c'était seulement une mission, fallait juste tuer un mec et c'était fini. C'est un peu dommage, mais bon, ça reste quand même bon, sûrement un très bon jeu. C'est dommage parce qu'on peut pas vraiment se faire un avis sur quelques minutes de jeu. Bon, en tout cas, la prise en main c'est la même, on va dire égale par rapport à Assassin's Creed 4. Je vais réussir. Que j'ai pu vous proposer en display, les touches c'est totalement les mêmes. Niveau graphisme, je pense que ça touche plutôt sur Assassin's Creed 3. Sinon, bah, l'histoire, bah, on va dire que je peux pas trop en savoir par rapport à la démo parce que voilà, c'est très rapide à finir, même si j'ai fait un beau fail au début. Mais ceci ne nous intéresse pas. En tout cas, si vous avez le jeu et que vous pouvez donner plus d'informations, n'hésitez pas à commenter et donner votre avis. Aimez la vidéo, partagez-la.
vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent. En tout cas, moi, je suis de jour en jour ravi de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent et qui apprécient mes vidéos. Ça me fait extrêmement plaisir. C'est pour ça que j'essaye de vous remercier de temps en temps en vous proposant des concours. J'en ai proposé un il n'y a pas longtemps. Je vais essayer d'en proposer d'autres à l'avenir. Alors, en tout cas, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter et Facebook. Je vais essayer de proposer aussi des concours sur les réseaux sociaux. Je verrai, je vais essayer de me trouver des petits partenaires pour vous proposer ça. En tout cas, moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Portez-vous bien et à bientôt.